Ce raid est un fiasco. Ces gens ne sont pas nos ennemis, mais de simples bergers. Lieutenant Kolchak, votre rapport, s'il vous plaît. Aucun tir, chef. Aucun blessé. Ferme sécurisée, on s'occupe des prisonniers. Des prisonniers ? Vous avez repéré une entrée du silo souterrain ? Négatif, chef. Si on a une, c'est qu'elle est bien cachée. S'il y en a une ? Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant ? On doit encore faire une inspection complète. On le trouvera, chef. Vous avez pris un risque en négligeant l'effet de surprise, lieutenant. Mais on dirait que ça a payé. Pas de blessés et un travail propre. Merci, chef. Mais maintenant, les poches de résistance irakiennes doivent être en alerte. Mon équipe est parée à tout, colonel. Ça s'est bien passé. Ah bon ? Ce lieu est plus sécurisé que le sleeping pit. Inutile de finir cette phrase, caporal. On lance l'interrogatoire ? Ouais, évitez quand même les questions trop complexes. Allez. On ouvre l'œil. Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant. C'est compris. Je sais pas pour vous, les gars, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ah ouais ? Est-ce que ça serait pas la légendaire intuition féminine ? Ouais, vous voulez voir ce qui arrive quand on s'en moque ? Ne bouge pas. Je vais seulement te fouiller. السلام عليكم يا أخي لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة فين مدخل مخزن السلاح؟ vos ordres chef attendez je m'en occupe هسألك مرة تانية فين مكان المخزن ce truc. Une espèce de totem. Certainement païen. Ida. Hatarafu Urayim. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Intukan hena. Bon, ça suffit comme ça. Caporal, surveillez les prisonniers. Exécution. Dis-moi où se trouve le silo. Il avait une arme, madame. Tout le monde est armé dans ce pays. دي بندقية كبيرة قوي يا أخ أكتر من اللي أنت محتاجه للغنم فين مدخل المخزن؟ Refais-nous ça et je te découpe en petits morceaux pour nourrir ces saletés de chacal. Y a d'autres prisonniers? Ouais, dans l'autre cabane. Suivez-moi. أنا راجع حاليا وبعدين هتتكلم. Ne le quittez pas des yeux. Que c'est Merwin qui nous a fichu la poisse. Je ne crois pas au mauvais sort, à la petite souris ni au Père Noël. La petite souris, d'accord.
Mais le Père Noël, me dis pas ça. Tu viens de foutre mes Noëls en l'air, vieux. Que dalle ici. Une remarque à faire, sergent? Regarde le sol. Tu vois quoi? Que dalle. S'il y avait un silo, où sont les traces? On est juste en train de tâter le terrain. Son précieux Kélus raconte n'importe quoi. Il faut suivre les ordres, sergent. La mission n'est pas terminée. Compris, chef. Ici, il y a des masques à gaz. صعب جدا، مهم انك تقول الحقيقة. فين مدخل المخزن؟ De l'héroïne. De mieux en mieux, dites donc. Ces types sont des voyous sans intérêt, mais qu'est-ce qu'Eric avait en tête? Fouillez-moi tout ça de fond en comble! Gueule une petite seconde que je réfléchisse. Réfléchir à quoi, hein? On se fait massacrer! Permission d'utiliser le phosphore! Négatif! Seulement pour la fumée! Je vais les contourner! Vous me couvrez, je vais récupérer Joey!
Je crois que je vais crever, Nick. Putain, mais arrête! Ça fait mal, mais tu vas pas crever. Doudou, du calme. C'est une petite égratignure. Ne bouge pas. Menteur. Dis une prière, mon pote. Attendez, bougez, ripostez! Nom d'un chien! Attention, ici Dropkick, silence levé. Je peux avoir un rapport sur le contact, terminé. Dropkick, ici Killjoy 2. On est pris pour cible, on va se cracher. Les cibles sont dans la zone d'atterrissage. Ça va s'arrêter où? Je te jure, je te colle une balle dans la tête. Merde. Plus personne ne parle notre langue. Mieux vaut pas te couper. Je ne peux plus tuer. Merwin! Jason! 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 Je suis là, vieux! J'y suis presque! Putain, mais dites-moi que c'est une blague! Thank you.
quoi cet endroit? C'est toi, Nick? Tu parles d'un patelin. Mais bordel, où est-ce qu'on a encore atterri? Faut remonter à la surface, retrouver le reste de l'équipe et demander une médévac. On se trouve pas dans une cache d'armes, là, mais on peut pas dire que ça manque d'Irakiens. Nick? Sergent Kay, il faut te ressaisir. Allez! J'ai vu un truc. Comment ça, t'as vu un truc? C'était pas un humain. Dans le tunnel. J'aurais jamais dû quitter l'hélico. Putain, je le savais. Je savais que t'étais pas encore prêt. Mais nom de Dieu! Pas la peine de mêler Dieu à toutes ces conneries. Maintenant, t'as intérêt à fermer ta gueule. T'as intérêt à te ressaisir immédiatement ou on va se faire buter tous les deux. C'est pas des conneries. Stop, c'est terminé, sergent. T'as vu que dalle. Il y a un truc qui cloche, je sais que tu le sens. Ce que je sens pour le moment, c'est que tu commences à me les briser. T'avais déjà vu un truc pareil? C'est quoi cet endroit? Je sais pas, j'ai une buse en histoire. Dis-moi que tu sens rien. Quoi, Nick? Qu'est-ce que je devrais sentir? J'ai pas un truc. Je sens que dalle. T'es sûr de ça? Oh, merde! Qu'est-ce qu'on leur a fait à tes dents, mon pote? Le truc est plus lourd que prévu. Aide-moi. Je vais avoir besoin de tes muscles. Tu fais plus tes abdos? C'est Merwin. Bon sang, je fais de mon mieux. Arrêtez un peu de gigoter aussi. Il perd trop de sang. Il faut qu'on l'exfiltre plus vite. Tiens bon, mon pote. On est là. Nick, j'ai besoin de toi. Coupe-moi ces câbles. C'est moche, là, il est foutu. T'as conscience que je t'entends? Tu vas t'en tirer, mon grand. Accroche-toi. Il y a morphine dans mon sac. Prends-la. On va te remettre sur pied. Merde. Maniez-vous un peu! Fais vite, montez la garde. La garde? Guettez quoi? C'est pas vrai, qui a préparé ces sacs? Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Clarisse? Ah 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 ah
cacher. Mais c'est quoi ce bordel? En avant. Il perd trop de sang. Faut arrêter l'hémorragie. Cool ou pas cool? Sois honnête avec moi. On va pas se mentir. C'est pas joli du tout. Je sais pas ce qu'il rôde, mais il les attire. Il s'agit de trop. Pas non plus de la morphine. Ferme-la, putain. Ferme-la, vieux! Ferme-la, putain! Nick, j'ai besoin de toi! Nick, tu vas le tuer! La morphine commence à agir. On se bouge. أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ أنت على ماشي؟ كابتن دار، هذا تسمعني؟ عندي رسالة، حول. كابتن زفت. إذا قادر تسمعني، أنا مش عارف، في 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 كهف بحاول أخرج. حول أخس. أنا كان عندي مشاريع النهاردة، أستحمى، أسمع موسيقى، أحتفل عيد ميلاد ابني. لا، دقوا على باب أنا، لا. لما كان جايين، لما كان جايين. بص احنا فين دلوقتي؟ والله ما انا عارف انا فين. في حد موجود هنا؟ في حد هناك؟ انت سامعني؟
تطلعش علي. مين هناك؟ شوف ده. مين هنا؟ Bien que tout va s'effondrer. Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. T'as vu le sergent Kay et Kotchek? La dernière fois, ils étaient ensemble. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui brouille le signal. C'est peut-être une autre issue. Je sais pas. Tu peux compter sur moi, Rachel. T'éloigne pas et ça ira. Je suis assez grande pour me débrouiller. On dirait bien. Mousqueton, extenseur, corde, lampe. Merde. Ok. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Une jolie chute vers l'inconnu. On a une corde. Regarde, il y a un courant d'air. On escalade. Depuis quand tu fumes, toi? Pardon? Ton briquet? Ah, c'est rien. Je l'ai pris comme ça, à la base.
T'es paré ? Et toi ? Cet endroit n'a vraiment rien d'une cache d'armes. S'il n'y a rien ici, pourquoi on nous a attaqués ? Parce que c'est la guerre. Les gens ont tendance à se flinguer. On va dire qu'on est en train de passer un bon moment. Toi et moi, on n'a jamais eu la même notion des bons moments. Ça te rappelle pas le bon vieux temps ? Quoi ? La solitude, tu veux dire ? Ça a l'air vieux. Vieux ? C'est antique. Ce sont des cunéiformes. Sumériens, peut-être. C'est quoi ce lieu ? T'es sacrément calé en histoire ? Je me doutais pas. Peut-être que tu sais pas tout sur moi. Ça paraît stable ? Ouais, ça a l'air. S'ouvre ? On dirait bien qu'elle est scellée. C'est quoi ce lieu, tu crois ? J'en sais rien. On dirait des gravures religieuses. J'ai l'impression que c'est un temple. C'est Pazuzu. Pazuzu quoi ? Pazuzu. Tu regardes pas de films d'horreur ? Tu connais la réponse.
C'est un démon sumérien. Il est lié à des fléaux, je crois. Fléaux et démon. Cool. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas entendu ? J'ai rien entendu. J'ai cru entendre un truc. Même en ruine, cet endroit est vraiment unique. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Des coups de feu. D'où ça peut venir ? Faut qu'on se bouge. Est-ce que tu vois quelque chose ? C'est profond. Tu crois que c'est risqué ? On n'a pas le choix. Prends la corde. On descend. C'est impressionnant. On n'est pas les premiers. Bon sang. C'est sûrement ça que Kélus a détecté. Désolé pour toi. Vraiment. T'as bossé dur pour ces recherches. Tu n'imagines même pas. Faut pas t'en vouloir. J'ai merdé. J'aurais dû revérifier les données, explorer toutes les options. Mais j'étais sûr que c'était bon. Je sais ce que ça représentait pour toi. Je suis désolé. J'ai merdé, moi aussi. C'est quoi ce bruit ? Un affaissement ? À cause des répliques ? On dirait du matériel archéologique. Quelqu'un a étudié ces ruines. Ces lampes pourront nous être utiles. Elles guideront les soldats jusqu'à nous. Tu crois que ça marche encore ? J'en suis sûr. Faut du carburant. On doit en trouver. Tu sois, Nick. J'espère que ça va. Pardon ? T'as dit un truc ? Non, c'est rien. Merde, un sacré tas de feux d'artifice. À toutes les unités ici, King. Quelqu'un me reçoit ? Terminé. Eric, regarde ça. Pourquoi mettre une mitrailleuse ici ? C'est un modèle de la Deuxième Guerre. Ça correspond à l'époque des archéologues. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? J'espère qu'on va pouvoir le démarrer. Il
Ici King à toutes les unités. Vous me recevez? Terminé. Qui est-ce qu'il pouvait affronter? Ils ont catalogué ces éléments, quelque part. On doit absolument allumer ces lampes. J'y vois que dalle. Mais pourquoi faire ça? T'as vu cet endroit? Ça paraît dément. Septembre 1945. Quand Lady Bradshaw vous fait demander, vous obtempérez. Marie et moi devions partir en lune de miel, mais nous n'aurions pour rien au monde à laisser passer l'occasion de dîner avec l'une des plus grandes antiquaires britanniques. Lors de notre rencontre, Bradshaw arborait une broche qui a attiré l'attention de Marie, une relique sumérienne découverte sur un site de fouille dans le royaume hachémite d'Irak. Après le dîner, elle nous a montré une autre découverte provenant du même site. Une tablette cunéiforme en or. Elle l'a appelée la dernière pièce du puzzle de sa carrière. Il s'agit d'une carte indiquant l'emplacement du tombeau d'Alexandre. Si elle dit vrai, ce dernier se trouve quelque part à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Lady Bradshaw veut que nous dirigions cette expédition. Je prends conscience que notre lune de miel aura pour cadre un site de fouilles poussiéreux dans les monts Zagros. Cet endroit commence à me mettre un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ce temple était destiné à apaiser les dieux. Tu regrettes de ne pas avoir demandé de renfort aérien? Et voilà, tu lis encore dans mes pensées. Encore des tonnes de dynamite ici. Pourquoi il leur en fallait autant? Qu'est-ce qui les menaçait autant pour qu'ils aient besoin de tout ce matos? Ils voulaient éviter de se faire prendre à revers. D'après toi, où mène ce passage? Je sais pas. Consultons les fichiers de Calus. Je comprends pas comment j'ai pu autant me planter.
Du point de vue défensif, ce lieu a de bons points d'étranglement. Mais il est vulnérable. Peut-être qu'ils étaient pressés. On ne sait rien de leurs conditions de travail. Comment un site aussi vaste a-t-il pu rester caché aussi longtemps ? Comment s'en sortent les autres, tu crois ? C'est des durs. Je me fais aucun souci. Ils tiendront le coup. Ça parle d'écolocalisation. Ça aurait un lien avec les chauves-souris ? C'est quoi ? Des symptômes. Des caractéristiques. Je sais pas quoi en penser. Peut-être qu'on aurait dû escalader pour sortir de la caverne. À mon avis, si ces gens étaient bien là avant nous, c'est qu'il y a une autre issue. Ces montagnes faisaient peur aux habitants. On peut les comprendre. Eric, viens m'aider avec ces bidons. La chance a fini par revenir. Ça va, ta jambe ? Quoi ? Oh, tu parles de ma prothèse ? Ma jambe, elle est restée sur l'autoroute. Arrête. Je culpabilise encore. J'ai été dur avec toi, Rachel. Je reconnais. Tu es pour rien dans l'accident. Allez, au boulot. Éclaire le réservoir.
Merde. Un problème? C'est desserré. Cette saleté de valve fuit. C'est réparable? Faut resserrer le tuyau avant de lancer le générateur. Y a forcément de quoi le réparer. J'ai du ruban adhésif. Essayons de lancer ce générateur. T'inquiète. Ce que t'as dit à la base, tu te trompais. Je me trompe rarement. T'as dit que rien n'avait changé entre nous. Moi, j'ai changé. Pendant tout ce temps passé loin l'un de l'autre, je ne pensais qu'à toi. Tu ne ressens pas la même chose ? Même un peu. Tu m'as manqué aussi. Évidemment. On a vécu tant de choses. Tiens-moi ce tuyau. C'est bon. Et aide-moi avec ce panneau. Regarde un peu leur état. Elles sont mortes. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas bossé ensemble. Bizarrement, c'est comme si c'était hier. Pourquoi on a tout gâché ? J'ai essayé, mais t'as rien fait pour que je reste avec toi. On aurait dû s'accrocher. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année, je l'ai consacrée à Kellus, et j'ai fait abstraction du reste. Ton travail passe avant notre relation. Je crois qu'aucun de nous n'avait prévu les conséquences que ça aurait. Rachel. Dis-moi ce que tu penses. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas. À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... maintenant, tout paraît plus simple. Peut-être qu'on a encore une chance. Ça devrait marcher. Allumons-le. On a du jus. Si ces gens ont pu entrer, c'est qu'il y a une issue. Fouillons les environs. Ah!
Il faut qu'on traverse. Il tiendra pas. Par là, c'est plus sûr. Par là. Ugh.